aujourd'hui... Nouveau décor. Nouveau décor. Aujourd'hui, nous avons une fenêtre. Oh. Alors, évidemment, déménagement. Qu'est-ce qui rime avec déménagement, Marine? Daiso. Alors, ça rime pas, mais en général, ça va de pair. Je cherchais. Oh merde. Parce non. que je trouve que ça rime. Je sais pas, mais bon... Alors, donc évidemment, déménagement donc d'Aizo, hein, puisque nouveaux espaces, nouveaux challenges. Là où on est, donc c'est plus grand, mais il y a moins de rangement, ce qui fait qu'il il va falloir penser à des petits trucs, hein. Et qui dit penser à des petits trucs, on a pensé à d'Aizo. Donc voilà, donc on a fait encore des achats. Alors si, il y a juste un petit truc qu'on a trouvé, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé, c'est un Tankerville. Alors Tankerville, pour les gens qui connaissent, c'est sinon... là où vous séchez votre linge. Voilà, hein, parce qu'il y a des gens, ils savent pas ce que c'est que Tankerville. Il y a un espèce de petit marché en fait, de fruits et légumes, poissons, viande et tout ce que vous voulez. Et il y a aussi des fourre-tout, des bric-à-brac. Dont à un moment on a vu justement un Tankerville et du un coup un petit et un grand, voilà, et donc on a demandé au monsieur qui était un peu bizarre, un petit peu, ouais. Il parlait un peu tout seul, j'étais pas sûre qu'il me parlait à moi ou pas, je sais pas ce qu'il faisait dans sa main, écrivait le... Je sais pas, il écrivait quelque chose dans sa main, mais je comprenais pas, c'est quand je lui ai dit on peut payer par carte, hein. Il dit mais... oui ou non, je... Écoutez, faites. On n'est pas sûr. Bon, au final, on a pu payer par carte. Enfin bref, tout ça pour dire, on a été à Daiso. Donc aujourd'hui, ce sera All Daiso numéro 2. Le retour. T'as le tour. Alors donc ceci, donc comme vous pouvez le constater ou pas, hein, je ne sais pas, c'est un étendoir. D'ailleurs que je ne sais pas trop où on va accrocher ça. Je t'avoue, j'en sais rien. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, j'ai pas réfléchi. Hein, bon, on trouvera où l'accrocher. Un serre-tête. Ça, c'était utile. Donc, ensuite, nous avons ceci. Hein. Et c'est la grosse arnaque. Alors, en fait, si vous voulez, on peut faire ça. On peut faire, voilà, un truc comme ça. Là, je sais pas très bien si on voit. Donc, vous pouvez construire vous-même votre petit meuble de 31 cm sur 36,5 cm. Sauf que, en fait, si vous voulez, cette grosse arnaque là, c'est que chaque tiroir c'est 5000. Chaque tiroir c'est 5000. Au final, ça revient cher cette merde. Donc, on a pris qu'un tiroir. On fera ça au compte goutte. Hein. Dès qu'on a plus de place, hop, on rachète un tiroir. Donc, surtout. Que bon, ça m'a pas l'air d'être non plus du hyper solide. Oui. Puis là, regarde, ça fait déjà la malle et c'est même pas lié. Alors par contre, c'est bien, c'est sur roulette. C'est pratique. C'est pour ça que c'est 100 000 won. Ah bah oui, ça devait tomber ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? We are going to return our customers' favor with better projects. Alors techniquement c'est censé être meilleur, hein, parce que... Et c'est censé être easy installation. Bah de toute façon... on a qu'un, donc ce sera easy. On va continuer dans les petites boîtes avec... Des boîtes. Voilà, un peu de couleur pour mettre un peu de gaieté. Voilà, dans cette chambre, ma foi, encore une fois blanche. Quoiqu'elle apparaît un peu jaune. Oui. Oui, enfin il y a certains murs qui sont un peu jaunes. En fait, c'est pas vraiment blanc, c'est... On dirait couleur à moitié or. Oui, en fait, avec la lumière, ça fait des reflets or sur les murs. Alors, ça, comment dire? Je pense qu'on va rire. Donc, c'est ceci. Alors, c'est un meuble qui est censé faire 40 cm de hauteur. C'est pour la salle de bain, mais j'ai quand même eu... une étrange intuition que ça va se casser la gueule tout le temps et que Marine va tout le temps être en train de gueuler. On n'a aucun rangement en fait dans la salle de bain. Enfin, la salle de bain. C'est plutôt le placard sous l'escalier d'Harry Potter, quoi. En plus sombre. Donc... En plus quoi? En plus sombre. Oui, en plus sombre, ça c'est clair. Au moins Harry, il voyait sa chambre. Bon, rien.
Voilà, du coup c'est à construire en espérant que c'est pas comme les trucs d'IKEA, hein. C'est pire qu'IKEA. On a acheté cette petite éponge en forme de pomme. Voilà. Des petites étiquettes pour mettre sur les interrupteurs. Parce qu'en fait on en a 6 et bah, on sait jamais à quoi correspond. Ouais. Un sentibon. En espérant que celui-ci il sente quelque chose. Et il sent, hein, en tout cas. Hein. Mais il sent. Ça, c'est pour la salle de bain. À la pêche. J'aime bien. Parce qu'en fait, on n'a pas de fenêtre dans la salle de bain. Je vais vous dire, putain, c'est quoi cette salle de bain de merde? Sous l'escalier, pas de lumière, pas de fenêtre. On a acheté un petit bol saladier. Ça, c'est pratique. On en avait un dans l'autre enfin, room. Je peux pas appeler ça un appartement, c'est pas possible. Et donc, du coup, on en a racheté. Hein, parce que c'est bien pratique. Et on a acheté un saladier aussi. La couleur, elle est jolie. On l'a acheté parce qu'on en avait besoin d'un. Pas que parce que la couleur était jolie. On a acheté des poubelles parce qu'il y en a pas ici. Donc, on a acheté une comme ceci. Hein, on n'avait pas trop de choix. Hein, Et c'est moche. Elles étaient moches. Enfant, c'était pas belle. Wow, ça faisait vraiment enfant, quoi. Et puis celle-là, hein, toute simple. Rase. Je me suis acheté une petite tasse parce que j'en avais pas. Et c'était des écureuils dessus. Je sais pas si on va pas voir. Non, on va pas voir. C'est des écureuils. Voilà. Avec des glands. Avec des glands. Squeaky. Ensuite, bah, on a pris des chaussons pour la salle de bain. Alors nous, on a choisi peut-être pas forcément ceux que tout le monde prend pour la salle de bain, mais enfin les trucs, les chaussons qui ont des espèces de, comment je veux dire, de picots là. Ouais, de picots. C'est la matière, elle est très dure. Hein. Mais là aussi, vous avez des espèces de petits picots, mais ça va. Celles qu'on a d'habitude, c'est style les sandales que vous... La matière, c'est style les sandales que vous avez quand vous êtes petit pour aller à la plage, mais avec en plus dur et avec des picots. Du coup, quand vous êtes là-dessus, ça vous rentre dans le pied, c'est désagréable. Je ne pouvais plus des autres. Moi. Je suppose que c'est censé... Bah, c'est le pied en même temps, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est horrible. Donc, nous, on a préféré ça, hein. Beaucoup plus doux. Ensuite, on a acheté des verres. Oui, c'est des verres. Hein. Donc, il y en a des bleus, il y en a des roses. Enfin, un rose. Un rose, machin. Donc, il y en a 3 parce que on ne sait jamais si on a des invités un jour, mais qu'une personne. Hein. C'est un invité à la fois. Toujours dans les sentibons. Une pomme. Une pomme. Je sais pas si ça va sentir bon, parce que je peux pas sentir bon. Moi personnellement, j'ai pas tellement confiance en ta pomme, mais. Non, j'ai pas confiance, mais bon, on verra. Hein. Voilà. On enchaîne sur. Bon, bah, tout simple, hein, un liquide vaisselle. Oui, mais d'ailleurs, en parlant de liquide vaisselle, celui qu'on a acheté la première fois était zéro. Il mousse même pas ce truc là. Il moussait pas. Enfin. C'était pas top. Non, franchement. En même temps, on l'avait pas acheté à Daiso. Si, on l'avait acheté. C'est pour ça que j'ai un peu peur de celui-là, mais bon, on verra. On a acheté un. Comment dire, rolling sheet. Voilà. Un truc comme ça. Et en fait, c'est pour. C'est pour éviter de lustrer vos vêtements quand vous les repassez. Tout simplement des Kleenex. Hein. Nous, on est habitué au Kleenex Cacao Talk. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Un petit pot à crayon parce que je l'ai trouvé mignon et que on a des stylos qui traînent toujours partout, donc là moins, et on en cherche, on n'en trouve jamais, donc maintenant ils seront rangés. Tiffany s'est acheté un peigne qui fait peigne et glace. Tu sais que j'avais oublié que je venais d'acheter le pigeon. Je suis pas un pigeon. Le pigeon parce qu'il est joli, il y a un ours dessus, on va pas voir, mais il coûte 1000 won. Le pigeon. Je suis pas un pigeon. Et alors, je tiens à préciser quand même que cette personne me traite de pigeon, hein, depuis plusieurs vidéos. Que dans la vidéo de Herb Island, elle a dit que j'étais un pigeon parce que j'avais acheté le conditionneur là, Cherry Coco. En attendant, qui est-ce qui veut qu'on retourne à Herb Island pour le racheter parce qu'il est tellement bien? Alors, il nous en reste encore d'ailleurs. Hein. Ah. On n'utilise pas trop. Alors, vraiment, si. Voilà. Tiffany a voulu s'acheter des tupperwares. Voilà, tout simplement.
Donc on a aussi acheté des tupperwares. Bah, c'est important d'avoir des tupperwares. On a acheté une multiprise parce que les prises, c'est pas que ça manque, mais ça manque un petit peu quand même. Hein? Alors, je sais pas si vous avez remarqué la multiprise. Elle est bleue. Non, mais c'est surtout qu'on a l'impression qu'elle date des années 60, la machine. Mais non. Elle fait hyper vieille. Des assiettes en plastique. Des assiettes en plastique, comme toujours. Elles ont peur que ça se casse. Non, ça coûte moins cher. On a acheté 3 assiettes. Voilà, y a rien. C'est le moment où tu réalises que ça passera pas au micro-ondes. Faudra peut-être racheter un truc. Dish for microwave. Hey. T'as vu ça? Bah, là. Allez. Hey, ma gueule! C'est nous ou c'est pas nous? On a eu peur. Et enfin, dernier achat de Daiso, des slippers. Alors, aller dehors. On en avait pris la dernière fois. Elles sont lourdes. Mais elles sont lourdes et elles font mal. Elles sont et puis elles sont petites en fait. C'est pas la bonne taille. Ça, du coup, c'est une taille au-dessus et c'est beaucoup mieux. Et j'ai hâte que les beaux jours arrivent. C'est taille 7. Voilà, taille 7, on fait 270 mm. Et on fait une pointure 41 chacune. Ouais. Ça peut de... 41 chacune, oui, on fait toutes les deux du 41. Voilà. On a acheté aussi autre chose, je vais vous montrer. Au tiroir, donc on en a que deux. Le problème, c'est que nous, on a du maquillage dans un. Mais on n'avait pas à la place. Du coup, on a acheté ceci. Voilà. L'espèce de petite boîte là de rangement pour éviter que tout se fasse la malle, parce que bon, si vous voulez, le tiroir est pas si grand que ça. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Quand? On sait pas. Où? On sait pas. Comment? Ça, on sait, avec l'appareil photo. Oui, enfin comment, dans quel état? Dans quel état? Nous. Tu veux dire nous? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas non plus. Nous, on va aller... Manger. Ranger. Manger. Ranger.